c'est Dodson et Alicia Cooking. Dégustation de coca aujourd'hui. Il y a Canada, Mexique, sucre de canne, Chine, fraises, pêche, goût pixel, dermatrice. Et puis. Et le goût rêve aussi. Et on est en live en même temps sur TikTok. Alicia Cooking. Ok, vas-y. On va commencer par celle-là, goût rêve. Tu sais, ça me fait penser à quoi? À de la mangue. Ça sent pas de rêve. À de la mangue, non? Non, c'est dégueulasse. C'est moins dégueulasse que je croyais. Non, c'est dégueulasse. Non, celui-là, il me fait pas rêver. Mais vraiment pas. C'est un petit goût fruit de la passion, on dirait, ouais. Un arrière-goût de fruit de la passion. Si, ça va, ça passe. Non, sûr. Goût pixel. Hop là. Ouais, il a pas de gaz, celui-là. Je crois qu'il est bizarre. Hein. Non, je le goûte même. Non, il est consommable. Alors, il est dégueulasse. Ah, j'ai même pas envie de le boire. Ça me dégoûte. On dirait du produit pour les chiottes. Tu vois le parfum R8 de la Orchidée. Bois pas ça. Dégueulasse. Sans sucre au citron. Ah, je sens que celui-là. Ça sent le citron de ouf. Ah ouais? Ouais. Jaune ou. Ah, celui-là, il est peut-être prometteur en fait. T'as vu? Ça sent la peau de citron. Tu sais, ça va donner le goût dans un bar et que tu mets ta petite rondelle de citron. Hein. Ouais, en fait, ça fait vraiment ça. Ouais, mais sauf que moi j'ai un problème avec le zéro, avec la sparkle. Ouais, c'est ça. Mais après, par contre, le goût, il est sympa. Donc, ouais, ça a un goût de coca où t'as mis une rondelle de citron et où t'as bien écrasé ta rondelle de citron à l'intérieur. Et le problème, c'est le sans sucre là, c'est l'aspartame ou je sais pas quoi. Coca à la framboise, sans sucre, ça va pas être bon parce que le sans sucre, mais sinon ça va être bon. C'est pas mauvais, mais ouais, non. Je crois que c'est l'aspartame. Ah, je suis vraiment pas fan de. C'est pas mon truc. On va goûter coca, cerise, vanille, des States. À mon avis, ça va être dégueulasse. Mais au moins, il sera pas sans sucre. Ah, il est bien mousseux celui-là. Ah, celui-là, il va détruire tous mes rêves. Non, mais l'odeur, quand même, en fait, elle est meilleure que pas mal d'odeurs qu'on a senti là. Je vais sortir une connerie, mais on dirait pas que ça sent la frangipane. Ah, ouais, c'est vrai, en fait. Alors, je crois que celui-là, c'est le pire. Je sais pas si c'est après avoir goûté tous les autres, mais je le trouve pas si mauvais que ça en fait. T'es pas sérieux? Je te jure. Ouais, si, je sais pas, ça passe. Moi, non, ça passe, je sais même pas en fait, j'arrive pas à savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Coca au sucre de canne du Mexique, avec sa petite sœur qui reste pour la collection. Allez, c'est parti. Ah si, c'est différent. J'ai les odeurs des autres dedans. Je la refais après avoir rincé le verre. C'est un bon coca qui fait plaisir. Tu vois, l'été, il fait chaud et tout, tu bois un coca, il fait plaisir, c'est celui-là. Mais il y a quand même un côté plus doux, tu vois. Mmh. Et ben, je pense que c'est du Canada aussi, on verra. Celui-là, il y a longtemps que je veux le goûter, celui-là. Ah non. La différence de... Ah non. Ah si. Ah non. Alors, ah. C'est... Ah non. Ah, t'aimes pas le côté... Ah non. Déjà, j'aime pas le sirop d'érable. Quand tu manges du... Tu sais, de la cassonade. C'est de la vraie cassonade, ouais, bien épaisse. Et ben je trouve ça sent ça un peu. En tout cas, c'est toujours meilleur que les Fanta qu'on a goûté la dernière fois. Ah ouais, la dernière fois on a goûté des Fanta. Ah, allez voir la vidéo. Je le mettrai là ou là ou là. Vous aurez le coca à la pêche. Toi, c'est pour toi, c'est ton number one. Ouais, c'est celui que tu veux goûter. Toi, tu t'es blessé. Ils t'ont emmené à l'hôpital. L'été à l'hôpital, on a ouvert une nouvelle pochette comme ça où il y a des bandages à l'intérieur. Mmh. Là, ils sentent ça. Mais t'es sûr que c'est de la pêche là? Parce que je connais pas le genre de pêche. Vas-y, on va voir. Mmh. Y a pas beaucoup de gars. Oh, oh, oh. Ça vomit. Oh putain. Ah non, celui-là il est immonde. Je crois que on va passer directement à l'autre. Vas-y, poubelle celui-là. Ah non, celui-là il est horrible. À mon avis, t'as vu, il y en a, ils étaient en date courte. Je pense que celui-là il est périmé depuis Coca à la fraise de Chine. Oh putain, j'espère que tu vas être meilleur. Et il est plus prometteur parce que là déjà il y a du gaz. Il paraît que celui-là il est déjà sorti au Japon il y a quelques années et qu'ils l'ont ressorti là en Chine. Tu vois les fraises que t'achètes en barquette? Ouais. Tu vois qu'ils ont un peu de moisi là. Ouais. Bah ça dégoûte ça. Ouais, c'est... non, tu comprends? Je sais pas, j'ai jamais goûté. Non, ça a un goût de coca à la fraise. À la fraise chimique. Ouais, toi t'es le personnage toi déjà. Je vous emmerde.